on a une époque où on était fasciné par les tunnels. On avait sur la route entre chez nous et le studio, il y avait un très long tunnel qu'on prenait tous les jours dans les deux sens. Et, voilà, on réécoutait ce qu'on avait enregistré avec le tunnel. Voilà, et puis petit à petit, on a commencé à faire de la musique qui. Les sonorités nous rappelaient un peu le tunnel. Moi, on a fait beaucoup de morceaux qu'on appelle des morceaux tunnels entre nous. C'est souvent des instrumentaux. C'est un peu. On a toujours un morceau par album. C'est un tunnel. C'est péjoratif quand on dit c'est un morceau, c'est un tunnel, non? Non, pas pour nous. C'est positif. Non, c'est plus le côté hypnotique d'un tunnel. C'est plus pour le décrire. Van Krop, on aime bien le jouer, c'est le morceau typé tunnel d'ailleurs. Non mais il y a aussi... Il est risqué celui-là, ça s'écroule, parfois ça marche pas du tout et parfois c'est le meilleur. Donc il y a un sens du danger qui est très excitant. C'est pour ça que c'est mon préféré. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est bien. Ouais.